faire un paintball et d'éclater des billes de peinture contre un mur pour fédérer son équipe. On va faire une journée de solidarité. Et donc, l'exemple est excellent, c'est la Tente des Glaneurs qui accueille les premiers team building éco-solidaires. On va récupérer sur les marchés de France les fruits, les légumes, le pain et les fleurs qui sont destinés à être détruits. Et nous, on va leur donner une seconde vie à des populations qui sont en précarité alimentaire. On y va ? On y va. Qu'est-ce que vous faites chez Le Retour ? Responsable de marché chez Le Retour. Responsable de la com interne. Je suis chargée de communication interne en alternance. C'est dans mes gènes en fait. J'aime bien filer un coup de main, faire quelque chose d'utile. Et là, franchement, c'est extraordinaire. Mais on va récupérer des légumes. Je trouve que c'est super, super riche, tous ces collaborateurs bénévoles qui vont glaner des denrées pour les redistribuer. On est vraiment dans une démarche solidaire qui va de A à Z. Puis bon, on n'a pas tous les moyens de pouvoir s'offrir un petit bouquet, donc si ça peut faire plaisir à quelqu'un, ça fait plaisir à moi. Vient du cœur. Pourquoi vous donnez en fait? Qu'est-ce que vous avez... J'aime bien faire plaisir. Et à partir de 14h, on redistribue de manière équitable aux personnes accueillies. Ça allait être jeté, voilà. Ça allait être jeté et on va le donner à, on va le donner à des gens qui en ont besoin. C'est distribuer des fruits et faire des heureux, c'est valorisant. Pour eux comme pour nous. La Tente des Glaneurs.